Bonsoir à tous, ici c'est Rex Potam. Alors, ce soir on est ensemble pour voir un petit peu comment, pour présenter un petit peu comment je m'organise pour créer une mélodie et pour la rendre jouable, sachant que aucun instrument n'est maltraité pendant l'enregistrement, n'est-ce pas? Je ne joue pas de piano, je ne joue d'aucun instrument, et pourtant, j'ai déjà eu des questions du type, quand même, c'est vachement... ça ressemble à quelque chose de jouable. Bon, ok, très bien. Et ben voici comment je fais. C'est parti. Alors, je vais te proposer de partir sur une mélodie de type nocturne, parce que c'est quelque chose que j'aime faire et que je fais actuellement de temps en temps. J'en ai sorti plusieurs récemment, et donc c'est l'idée un petit peu de partir sur ce genre de thème. Alors, je te présente Noteworthy, donc qui est l'environnement que j'utilise pour composer, pour écrire des partitions. Voilà, donc on va écrire une partition du coup pour piano, puisque un nocturne c'est quand même souvent pour piano, même si on peut parfois joindre d'autres instruments. C'était le cas d'une nocturne 5 par exemple. Un nocturne, généralement c'est en mineur. Bon, c'est l'habitude, parce que c'est quand même calme, c'est tristoun, enfin voilà, c'est un peu l'idée. On va partir sur, je ne sais pas encore trop quoi, Do mineur, allez, un petit Do mineur. Alors, pourquoi j'ai toutes ces portées, alors qu'un piano, on n'a que deux mains. En fait, au final, c'est ça. Je découpe les portées en deux, parce que généralement, je mets plusieurs voix sur une seule main. Un pianiste normalement constitué à 5 doigts, donc il peut en utiliser deux. Ouais, je le dis comme ça, mais même si je suis pas pianiste, je sais ce que c'est qu'un piano, j'ai quand même déjà utilisé la bête, et je sais ce qu'on peut faire sans trop forcer. Après, il y a des choses qu'on peut pas faire et qu'on ne fera pas. Alors, un nocturne, souvent sans 3-4. Enfin, en tout cas, souvent sans ternaire. On va partir sur un format simple, 3-4. Tac. Tac. Je vous expliquerai aussi, parce que j'ai pas parlé de cette cinquième portée, je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi elle sert. On va faire un petit canevas. Oui, bêtement, 8 mesures, simple. Alors, c'est en Do. Alors, généralement, je commence par poser l'harmonie. Enfin, pas l'harmonie, poser les bases des accords. On va dire ça comme ça. Tu as un petit Do, hein? On est en Do mineur. On est en Do mineur. Allez, une petite quinte. Ah, la tierce. Ça s'entend, hein, tout de suite. Seulement là, on commence à ressentir le mineur. Attention à celle-ci. Celle-ci, je ne vais pas l'utiliser parce que ça amène. C'est la seconde en mineur, c'est un accord diminué. Ou alors, je peux le transformer, mais dans ce cas-là, peut-être. Non, on va le laisser là. Ce que je vais faire, alors, quelque chose que j'utilise assez régulièrement, qui marche assez bien quand t'es dans un mode mineur. C'est, on va s'arranger pour avoir des résolutions, c'est-à-dire que, en fait, l'idée, je te présente très rapidement l'idée. L'idée, c'est qu'une fois qu'on arrive là, on reprend le pattern, enfin, on recommence du début, quitte à agrémenter. Mais, ça va pas être
le discours de ce soir, c'est juste vraiment juste pour présenter ma façon de fonctionner. Et donc, qui dit qu'on réatterrit sur la tonique, dit que juste avant, généralement, et c'est ce que je vais faire ici, on a une septième de dominante. Et pour arriver sur la septième de dominante, une façon de faire en mineur, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la sixte napolitaine. C'est quelque chose que j'aime assez bien, et qui est en fait un renversement du second degré diminué. Ouf, dur à dire comme ça. C'est-à-dire que c'est l'accord de base, c'est donc Ré bémol, du coup, puisqu'on est en Sol, en Do, pardon, mais du coup, c'est le premier renversement, donc ça va pas être Ré bémol, Fa, La, donc ça va être en fait un à la basse, ça va être un Fa. C'est pour ça que je mets cette notation, pour moi me souvenir, c'est une notation qui sera pas visible, pour moi me souvenir qu'à cet endroit-là, je veux pas faire un accord de Fa, je veux faire une napolitaine. Voilà, on va juste écouter très rapidement ce que ça donne. Comme ça, c'est pas passionnant. On est d'accord. Il se passe pas grand-chose. On a juste posé les notes à la main gauche sur le petit doigt, ou enfin le 5 ou le 4. Pas bon, disons les doigts faibles de la main gauche, parce que de toute façon, bon, c'est juste poser des notes. Hein. On va commencer à faire quelque chose d'un peu plus musical maintenant. Alors, au-dessus de ce qui se passe en bas, je vais doubler des choses. Je vais ajouter une mélodie, mais c'est plus un renfort d'harmonie en fait. Quelque chose qui permet de positionner la mélodie dans son contexte harmonique. Ce qu'on peut faire, c'est... Ouais, on va laisser le premier temps vide, mais juste le premier pour changer un petit peu. J'invente, hein. Sixte napolitaine, donc c'est ici qu'on a le fameux accord de Ré bémol en premier renversement. Donc à un moment, il me faut un Ré bémol. On peut l'introduire direct. Ré bémol, Fa, La. Et donc ici, ici on a septième de dominante. Qui dit septième de dominante dit que la tierce est majeure. La tierce, oui, est majeure. Donc il n'y a pas de bémol, il y a juste un bécart, s'il te plaît. C'est ça que je voulais faire, merci. Faire en sorte que ma partition soit tout de suite pas trop vilaine en modifiant les ligatures, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà à ligaturer un petit peu. Donc pareil en bas, voilà. Donc en bas, qu'est-ce qu'on a? On a la tonique, ensuite on a une première descente, enfin on a une descente suivie d'une montée, et on repose le temps. Donc globalement ça va donner ça. En dessus, je sais pas encore trop ce que je vais faire, on va voir. Ça marche pas trop mal. Au niveau du tempo, je sais pas encore. Le défaut est à 120. Euh...
Là, j'imagine un petit peu comment ça pourrait être joué pour que ce soit joli. Généralement, d'une manière assez naturelle, je lis les notes qui sont conjointes et quand il y a des sous, généralement, je libère la main pour qu'elle puisse circuler et ça libère d'une même manière le discours mélodique. Donc ça donne quoi? Par exemple, ici, yampadam. Est-ce que je garderai ça ou pas? Je ne sais pas. On verra à l'usage. Alors, main droite. Hein, on est bien d'accord que je fais quelque chose de simple, ce ne sera pas forcément la mélodie du siècle. C'est pas la musique du siècle, c'est pas l'objectif. Alors, ce que j'aime faire généralement à la main droite, ça reste des généralités. Hein, je parle beaucoup de généralités, mais c'est un peu ça quand même. Je fonctionne en. Je fonctionne en faisant des décalages, en faisant entrer les voix successivement. Ça permet de déjà de poser tranquillement l'harmonie et de poser le discours de manière générale tranquillement. Donc main droite sur un accord de sol, sachant que j'ai un do qui est étranger à l'accord, donc je peux pas mettre tellement autre chose en fait que le sol. Pardon. Ensuite, on a un Fa, la Do. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai presque, j'ai pas fait exprès, mais on retrouve les deux premières notes. Par contre, si je fais ça, là, on a un frottement qui est pas génial parce que il n'y a pas d'anticipation, il arrive brutalement si je fais ça. Ça sera pas joli, ça. C'est peut-être le moment de se dire qu'il serait temps d'introduire d'autres rythmes. J'essaye en même temps de construire une mélodie qui soit suffisamment conjointe pour que ça ressemble à une mélodie, et en même temps en utilisant quelques sauts et puis en complétant aussi complétant les accords, hein. Là, on va voir que ça va pas marcher, ça. Cause du frottement qu'il y a en dessous. Je veux bien qu'il y ait un frottement, mais il faut qu'il soit. Je compose un petit peu à l'ancienne pour ça. J'aime bien que les frottements soient anticipés. Et résolus. Bah, voilà, justement, très bien. C'est une petite pause ici. Alors là, on a un mouvement ascendant à gauche. Ça pourrait être un mouvement descendant à droite. Sauf que non, pour une raison simple, c'est que la main gauche est relativement haute, déjà ça va se chevaucher, et d'autre part, ça va aussi créer des disharmonies, enfin des frottements un peu pas top. Bon, du coup, je continue à la sixte en fait. Voilà, c'est mon tierce. Ah. On va reprendre un peu le même pattern qu'on avait déjà un peu plus tôt. C'est bien aussi d'avoir des choses qui se rejaillissent un petit peu en miroir, qui se reconnaissent les unes aux autres. Ça permet d'avoir une petite unité. Les deux voix intérieures ont le même mouvement, je suis en train de voir ça.
Quand il y en a une qui monte, l'autre monte. Quand il y en a une qui descend, l'autre descend. Bon. Je sais pas si on gardera ça comme ça, c'est pas grave. Oui, il n'est pas utile ce bécard, je sais. Mais c'est bien aussi parfois d'être sympa avec le joueur. C'est quand même beaucoup souvent à la sixte ou à la tierce, mais c'est pas grave. Tiens, c'est intéressant parce que du coup, là, ça m'introduit la septième. Et donc. Et là, par contre, c'est rigolo parce que c'est pas le même mouvement. Et on tend pour finir ici. Et pareil, comme il va y avoir une voie au-dessus, on met les ligatures et tout ça sur la voie du dessous. Faudra voir ce qu'on fait parce que c'est pas joli joli. Peut-être qu'il y en a que je cacherai ou. Parce que là, si on regarde, ça fait des ligatures qui se croisent, c'est pas très joli. On verra ce qu'on peut faire. Pas très important pour le moment. On va déjà écouter ça. Ah, ça marche pas mal. J'aime bien la fin. La voilà. Les deux vont en accompagnement l'une de l'autre. C'est assez joli. C'est pas pour me lancer des fleurs, parce que c'est quand même des patterns très très simples et vraiment connus. Hein. Je cherche pas à faire quelque chose d'exceptionnel, encore une fois. Hein. C'est juste, voilà, se faire un petit peu plaisir en faisant de la jolie musique. Et puis pour vous montrer, pour te montrer un petit peu comment je fonctionne finalement sur une mélodie de ce type-là. Sur une musique de ce type-là. Alors, il reste à créer à droite, enfin on est à droite depuis tout à l'heure, mais là, sur la voix du dessus, une mélodie qui sera un petit peu en dehors de tout ce qui est en dessous, qui est en fait un accompagnement. Enfin, de mon point de vue, c'est comme ça que je fonctionne. Ça reste relativement mélodique dans le sens où c'est des... Il y a quand même beaucoup de notes conjointes, hein, on passe de l'une à l'autre sans faire des écarts de folie, mais ça reste très simple. Là, on va vouloir faire quelque chose d'un peu plus joli, c'est maintenant. Je suis pas du tout sûr d'y arriver. Petite pression. on va pas commencer sur le temps. Parce que j'aime pas commencer sur le temps. c'est trop évident. T'as vu, hein, sur les quatre voies, il y en a trois qui commencent pas sur le temps. On verra si ça évolue ou quoi, mais voilà. Alors, on est sur un Fa. Je sais pas, j'essaie des trucs. C'est là qu'on voit que peut-être que le rythme sera la même, le tempo sera pas tout ce que j'ai écrit pour l'instant. Ça c'est joli parce que du coup là j'ai ce début de cette mesure 5, il y a une vraie ouverture. C'est pas fermé, là on est sur un accord de Si majeur. Quelque chose de très ouvert, c'est chouette, j'aime bien. je suis en train de voir aussi pour ma partition pour qu'elle soit un petit peu jolie. C'est que il y a deux voix, hein, faut que ça se voit. Et ici cette
Ce silence-là ne doit pas se voir, puisqu'en dessous, ça démarre déjà, si on regarde en fermant. Tu vois. Oui, tout n'est pas joli, encore un, loin de là. Donc si... Alors là, j'ai beaucoup de choses qui montent. J'ai envie de descendre, et en plus d'introduire quelques petites syncopes, histoire de donner un petit peu de mouvement. Donc, ré, fa, la. Et là j'arrive sur ré bémol. Eh ben écoute. Ok. Évidemment, on va pas remettre un ré bémol. Si je mets un fa, je vais commencer à faire des écarts de folie. Tout le monde n'a pas la chance de s'appeler Rachmaninov. Si je remets un la, c'est... Remarque, c'est la quinte, hein, ça peut se justifier. Hein. Je préfère doubler les quintes que les tierces. Sinon, ça renforce un petit peu trop les sentiments modo. Je parle comme si je savais de quoi je parle. Hein. Alors que pas du tout. Hein. Découvert au hasard de mes lectures. Je vais continuer avec ce pattern-là. Non. Il fait pas ce que je veux, le monsieur. Donc, tout en l'air, évidemment. Et pareil, encore une fois, les ligatures. Histoire que ce soit lisible, on les met vers le haut. Alors, tadatatam, tadatatam, on va faire ça comme ça. Il reste une grosse barbunche à gauche, je sais, c'est la ligne dont on n'a pas tenu compte encore. Je vais écouter ce que ça donne là et on en parle après. Un truc qui me gêne ici, ça peut pas être ainsi. Mettre un do. Non. Il faut que ça arrive par-dessus. C'est intéressant ce mi bémol. Comme si on finissait en mi bémol majeur. Qui est pas vrai, hein, on est bien d'accord, hein, évidemment. C'est... Mais c'est la tierce de do mineur, et du coup ça donne un peu cette impression-là. À l'écoute, de mon point de vue, certainement il y a tous les musicologues qui vont me pourchasser avec des fourches dans les commentaires, ne vous gênez pas, j'ai le do large. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la jolie musique, c'est pas de m'arrêter sur le vocabulaire. Bon, alors, on a quelque chose qui est, si ce n'est phénoménal, au moins audible, à mon goût. Ça, c'est dommage. Presque envie de le remonter d'une tierce. Sauf que du coup, il faut un si d'écart ici. Hein.
Je ne peux pas agrandir beaucoup plus. Ici, déjà, j'ai une neuvième. Bon, ça se joue, hein. Ça se joue, c'est bien une neuvième. Surtout qu'on va voir après comment on gère la dernière ligne à laquelle on arrive inéluctablement. Je voulais juste corriger ça. Voilà. Alors, cette ligne, cette fameuse ligne là, qui pour l'instant n'a servi à rien, à part me faire une grosse barre bien moche à gauche de la partition. C'est une ligne que je réserve à la pédale du piano. Je vais y indiquer des indications, voilà, hein, de pédale, baisser la pédale, relâcher la pédale, sachant que l'instrument que j'utilise au final, Pianotech, permet des choses assez fines. Voilà, donc bon, après là c'est quelque chose, un morceau où on va pas forcément chercher très loin, hein, c'est la pédale, ça va être up and down et puis ça ira bien. Mais voilà, c'est l'idée qu'on peut faire ce genre de choses. Alors, ce que je fais et ce que je vais faire dès maintenant, j'ai envie. Alors, la pédale, si on l'écrit bêtement, on descend en début de mesure, on remonte en fin de mesure, à chaque fois il y a un changement d'harmonie. Ils sont là. Ceci dit, si on fait ça, ça va être trop régulier, ça va être trop systématique, ça va être trop robotique, tu vois, c'est exactement ce que je vais éviter. Donc on va pas faire des ouvertures, des fermetures pile poil en début et en fin de temps, ou de mesure. Donc ce que je vais faire, c'est que... Alors cette ligne-là est quasiment complètement cachée, sauf justement les indications de pédales. Alors pour faire les pédales, j'ai développé pour notre avis mon propre jeu de pédales pour Pianotech, qui me permet justement de faire des choses, bah déjà d'avoir toutes les pédales. Hein. Je me suis rendu compte qu'en fait elles n'étaient pas toutes, j'en ai trouvé d'autres depuis sur d'autres pianos, parce que Pianotech a plusieurs pianos. Mais en l'occurrence le sustain. Notre ordi, le piano, la pédale de notre ordi, c'est on-off, c'est-à-dire 0-127. Soit t'es à fond sur le truc, soit t'es complètement relâché. Moi, j'ai toutes les valeurs intermédiaires qui sont gérées très bien par Pianotech pour faire des effets plus ou moins appuyés de cordes sympathiques. Tiens, d'ailleurs, on va l'utiliser là. On va se dire, tiens, là, on va commencer à baisser tout doucement la pédale. Petit 32. Et par contre, on va la mettre à fond dès le début de la ligne suivante, donc 127. Par contre, comme la pédale est déjà enfoncée, je la raffiche pas. C'est juste pour avoir une partition pas trop moche. Déjà que là, comme la pédale est pas pile sur le temps, ça devrait un peu, c'est pas forcément le plus bel effet. Mais on fera avec. Alors ensuite, pareil pour les baissés de pédale. Pourquoi il veut à chaque fois bouger, je ne sais pas. Pareil pour les relevés de pédale, pas pile poil sur le temps, pour les mêmes raisons que j'ai déjà évoquées. Là, je fais de la bouillie de petits morceaux de petits morceaux de... bon sang. Je fais de la bouillie de petits morceaux de mesure parce que c'est ce qui va. De petits morceaux de silence, c'est ça que je voulais dire en fait, hein, je vais retrouver mes mots. En fait, l'idée étant toujours hein, que la pédale ne s'ouvre et ne s'éteint pas pile poil sur le temps, sur les temps. Sachant qu'après, on va avoir également décidément, je suis fâché avec moi. Oui, je disais, après, on va avoir de toute façon un humanisateur qui va s'occuper de passer par là et arrondir les angles. Hein, en rajoutant un tout petit peu de random sur les positions des différents éléments, et on le verra aussi sur les dynamiques, les vélocités des différentes notes. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que là, je vais pouvoir dupliquer ce pattern ad nauseam.
juste là, je vais clore la dernière mesure, histoire que le piano ne continue pas à jouer indéfiniment. Donc, on va écouter ce que ça donne. Donc, tu vois, si je mets comme ça, c'est... alors, c'est pas du plus bel effet, parce que les pédales sont pas du tout alignées. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que la partition finale gravée, je change la ligne de pédale pour avoir quelque chose de beaucoup plus carré, qui est un peu moins du coup en rapport avec le jeu véritable, mais de toute façon c'est ce qui se passe aussi dans la vraie vie, hein. Un pianiste il regarde les indications, mais il en fait ce qu'il veut, il en fait quelque chose de beaucoup plus joli que si c'était joué pile poil comme c'est écrit sur la partition, on est bien d'accord. Donc voilà, ce que je propose là, c'est une pédale de sustain qui est là quasiment tout le temps. Et on verra si c'est intelligent ou pas. Ok. Bon, on a notre mélodie, on a notre petite musique bien sympathique, toute mignonne. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire en sorte que ça ressemble à quelque chose de joué par quelqu'un qui sait jouer. Je prétends pas remplacer un vrai professionnel, nous sommes bien d'accord, c'est pas l'objectif. Mais c'est faire en sorte que la musique soit vivante, pour être audible spontanément, sans qu'on se pose trop de questions sur « tiens, c'est quand même un robot, c'est pas joli, joli ». On est bien d'accord que si un pianiste se prend l'envie de prendre une même partition et de la jouer, eh ben bienvenue. J'ai envie de dire, serre-toi et fais-toi plaisir. si tu en as envie, bien entendu. Et n'hésite pas à le signaler dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Voilà. Donc, on va essayer en attendant de te remplacer, tant pis. Hein. Avec les moyens du bord. Donc il y a plusieurs choses à faire pour que ça ressemble à quelque chose d'un peu moins vilain que ce qu'on vient d'entendre, parce que je dis que c'est joli, parce que je parlais de l'harmonie, c'est les harmonies sont propres. À peu près, il y a peut-être des erreurs, mais à mon oreille ça fonctionne. Mais encore une fois, d'un point de vue jeu, c'est très moche. Hein, c'est tam 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 tam, vas-y le robot, métronome, machin, tout ça. Chaque note est appuyée de la même force, alors que dans une mesure. On a trois temps, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour dire il y a trois temps, c'est qu'il y a des temps forts et des temps faibles. Donc, on va commencer, alors voilà, c'est comme ça, de cette façon-là que je fonctionne, on va commencer par travailler sur chacune des mesures, déterminer ce qui est important dans la mesure et ce qui ne l'est pas. Il y aura une deuxième approche, dans un deuxième temps, où on va s'occuper plus de travailler sur les phrases de la musique, parce que la musique, c'est pas juste des mesures qui se suivent. Ceci étant dit, approchons-nous de nos dynamiques. Alors, j'ai mis piano, mais en fait on s'en fout. C'est juste pour moi, pour savoir que d'une manière générale, c'est un mouvement qui est pas forcément très fort. D'ailleurs, ce sera peut-être plus mes piano, mais c'est pas très important encore une fois. De toute façon, on va pas du tout tenir compte de la vélocité actuelle, la vélocité réelle, on va pas parler anglophone, de la note, mais je lui impose, sur les premiers temps, une vélocité plus ou moins systématique qui est de 110. Je sens les gens crier dans l'assistance. Calmez-vous, ça va bien se passer. Alors déjà, sur la dernière note, je peux commencer par me dire que bon, c'est une fin de phrase, donc on va calmer un peu le jeu sur la dernière note. Je continue à être systématique, hein. Tu remarqueras que là je n'en mets pas tout comme j'en ai pas mis là, pour une raison simple, la note n'est pas réenfoncée, c'est une suite. Tiens, ici c'est une fin de phrase. Hop, 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 hop. Pareil, ici c'est une fin de phrase. C'est beau ce que j'ai fait, hein. Non, bien entendu, c'est pas beau. Déjà, dans une mesure, il y a trois temps, il n'y en a pas qu'un. Hein, donc là, on a mis les temps forts. Maintenant, on va mettre les temps faibles. C'est la,
la mesure, le deuxième temps d'une mesure à trois temps, c'est le temps le plus faible. On va drastiquement réduire la vélocité. On va passer de 110 à genre 80. Donc, ce temps à cette valeur à 80, on va la dupliquer si monsieur veut bien. Ici, ici. Là, c'est tout en syncope. Alors, on se posera des questions sur la syncope, on y reviendra. Sur les syncopes, on y reviendra après. Alors, entre 80 et 110, le troisième temps est quand même plus fort que le deuxième, mais quand même largement moins que le premier. On va mettre 90, par exemple. Alors, bon, alors, ouais, il reste celui-là, hein, on n'oublie pas. Pour l'instant, on n'a pas tout. Il y a des notes encore qui n'ont pas leur propre vélocité. Moi, mon objectif, c'est que chacune des notes a sa propre vélocité. On verra que c'est la toute première approche et qu'elle est largement insuffisante, mais qu'elle donne déjà qu'un petit peu quelque chose. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Ta-da-ta-ta-ta. Alors, du coup, ici, on a un petit élan, donc, oh là oui, donc du coup, je vais la descendre vraiment, 75, 80, après là, on est à 90, bah donc du coup, là, on est à 85. Après, il faut un poil d'imagination pour se dire comment ça va être joué. Typiquement, là, ce que je viens de faire, c'est que je me suis basé sur aucun des motifs qui étaient déjà préétablis. Déjà, là, c'est une note qui est continuée, donc sur le troisième temps, il n'y a pas de reprise. Donc là, j'ai mis ce qu'il y avait avant. Là, par contre, c'est une valeur que j'ai complètement inventée. On arrive sur une fin de phrase. Il faut que ce soit légèrement plus fort que la fin de phrase, mais pas trop quand même, parce que, bon, on est sur des morceaux de temps qui sont relativement faibles. Et c'est aussi histoire de noter, de donner un petit peu d'élan à la chose. 80, 85, 90, 95. Tac. Finalement, c'est assez systématique. C'est ça qui est agréable dans cette approche-là. C'est qu'on a l'impression que je fais nimp. Ce qui peut être le cas à certains moments. Mais quand même, c'est basé sur une idée que j'ai de la musique que je veux produire. On va s'occuper maintenant de cette petite mélodie. Qui est beaucoup en syncope. Cette note-là qui était toute seule, on s'en occupait, voilà. Alors maintenant, ici, alors, il y a plusieurs solutions pour les syncopes. Soit on fait des choses complètement différentes de ce qu'on a vu par ailleurs, soit on considère que la syncope, c'est juste un décalage du temps normal. C'est comme si on avait déphasé les temps forts et les temps faibles. Là, on peut considérer qu'on a mis les temps forts un peu plus à droite. Donc du coup, c'est pas lui qui va être fort. Ça va être lui. Tu vois? Et si on fait ça, c'est-à-dire que le temps faible, c'est ça. Donc il faut que je prenne celui du temps faible qui est ici. C'est là. Ok? C'est l'idée. Et donc du coup, qui dit ça, dit que ici c'est la deuxième moitié du temps faible, hein, donc on va prendre, hein, on y va au copier-coller. Ah, oh, c'est vilain, faire de la musique au copier-coller, bon, c'est aberrant. Eh ben non, pas du tout. vous allez voir, tu vas voir pourquoi. Encore une fois, c'est juste parce que c'est une première étape pour rendre les choses un petit peu plus humanisé, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où je prends des décisions, même si elles sont systématiques, ce sont des décisions que je prends par rapport à la musique. Donc voilà cette petite étape-là qui est faite. On écoute déjà ce que ça donne. Voilà, donc c'est une toute première étape. On est encore très mécanique. Tout est encore très mécanique. Chacune des vélocités est précalculée.
poils de cheveux près, c'est toujours pareil. Mais ça donne déjà une première idée de ce qu'on veut. Alors ensuite, on va réécouter. Pour la première écoute qu'on a faite juste là, c'était juste pour se rendre compte que ce qu'on avait fait, ça avait un intérêt. Maintenant, on va faire une écoute un peu plus critique, où le but, c'est de savoir comment sont construites les phrases, comment on évolue, et pour pouvoir placer la couche suivante d'humanisation, n'est-ce pas ? Donc, on écoute. Alors, à mon sens, il y a un premier point ici, qui est un premier sommet. Donc on va monter jusque là, puis redescendre, sachant que le bas de la côte est ici, très rapidement. Et après c'est une grande montée jusque 8. Et ici on redescend pour revenir ici au point initial. Voilà ce que je souhaite donner, juste en ayant écouté. C'est un morceau que j'ai pas du tout préparé. Je viens d'inventer le truc. Il n'y a pas besoin de passer des heures de préparation pour ça. Quand je construis un morceau, c'est comme ça que je commence. C'est que le début. Mais c'est la première phrase. T'as vu la première phrase déjà avec tout ce qu'on a rajouté comme indication. Elle tenait à peine dans deux tiers d'écran. Là, elle me remplit l'écran entièrement. C'est intéressant. Et là, ça va dépasser. Alors, si ça dépasse de trop, il y a des solutions, hein. T'inquiète, hein, c'est de l'informatique, hein, ça marche bien. Alors, en Noteworthy, on a un composant qui s'appelle MPC, Multipoint Controller, n'est-ce pas ? N'hésite pas à critiquer mon absence, mon accent, histoire qu'on rigole un peu. Donc, on va, donc un contrôleur multipoint, n'est-ce pas, en français, qui va me servir à contrôler ce que j'appelle, enfin, ce qui s'appelle en MIDI, un contrôleur d'expression. Alors l'expression, je t'explique, mon moteur ici s'en sert comme d'un volume, donc ça va pas être très intéressant à l'écoute ici, mais je vais plus tard utiliser ce que j'appelle un humanisateur, qui va faire une soupe un peu à lui, qui va mélanger la vélocité telle que définie sur chacune des notes et l'expression, pour en déduire avec un tout petit peu de flou, la vélocité réelle de chacune des notes. C'est là où on va se rendre compte qu'on va faire des phrases avec des temps forts et des temps faibles, mais globalement on va faire de la musique. C'est là qu'on l'a fait, la musique, maintenant. C'est là que ça devient intéressant. Alors, linear sweep, ça veut dire que entre les deux paliers que je vais décrire, Noteworthy va se débrouiller pour découper la chose en paliers. Donc histoire d'avoir une ligne, voilà. Donc la ligne, je vais la faire sur 3 mesures. Donc 9 noirs, donc j'aimerais prendre des croches parce que j'ai besoin que ça bouge quand même relativement beaucoup. Donc 18 croches, si on part de 64 qui est la moitié, c'est peut-être un petit peu trop. On va partir de 56, et c'est là où on voit que je suis informaticien, c'est tout des multiples de 2. Mais c'est pas grave, ça se voit pas. Hein. Et on va arriver à 74 du coup. Ok. Tac, tac, tac. Et celle-ci, bon, elle est dans l'aigu, donc il n'y a pas besoin de faire de trop, mais je veux qu'elle sorte un peu plus. Donc je vais faire plus 5. Voilà. Une fois qu'on est là, on est bien. On va redescendre sur une seule mesure. Donc on va aller de 79 à je sais pas combien sur une seule mesure, donc 18e, il y en a 6. Donc des 16e, il y en a 12. 79 moins 12, 67. Ici la même chose, moins 5. 74 à 62. N'est-ce pas? Ensuite, va s'en suivre l'inexorable montée vers la fin. 1, 2, 3 mesures encore. D'accord. Mais là, j'ai envie que ça monte vraiment. Donc, je suis resté en 16e.
En 16e, donc il y en a 12 fois 3, 36, n'est-ce pas? 36. Et on passe de. Donc on vient de 62. On arrive à 98. On verra s'il faut faire plus. Pourquoi je l'ai mis là? Tu m'expliques? C'est intéressant de mettre les choses sur la pédale. La pédale, il n'y a pas de vélocité. Hein. Je vérifie que c'est bien la bonne qui l'a conservée, oui. Et celle-ci, toujours plus 5. 67 à 103, n'est-ce pas? Et ici. Ici, ben, on va faire un gros décroché, un vrai piano subito presque. J'ai presque envie de prendre ça en fait. Juste, on va le décaler d'un tout petit cran, histoire de laisser. Ça va faire quelque chose de pas très joli ici. Je te préviens tout de suite. Ici, ça va pas faire joli. Parce que, encore une fois, le moteur ici considère que l'expression, c'est un bouton de volume. Ce qui n'est pas le cas du tout. Donc ça va faire ici un décroché moche. Mais mon humanisateur, quand il aura fait son travail, tu verras que ça fera quelque chose de tout à fait intéressant. Allons-y, on écoute. T'as entendu le décroché à mesure 8? Je la refais pour que tu te rendes compte. Ça n'existe pas dans la nature. Je te défie de jouer ça. Bien entendu, ça n'existe pas. Alors, on approche du moment où on va vouloir utiliser l'humanisateur. Avant ça, il reste une chose à faire sur la partition. Quelque chose qui n'est pas géré par l'humanisateur pour une raison technique qui est que ça c'est une partition simple à un seul instrument, mais je fais le même genre de choses quand j'ai un orchestre complet. Si le tempo était parce qu'on va parler du tempo, si le tempo était humanisé pour chacun des instruments d'une manière random, on aurait un gros flou, ce serait affreux, les instruments arriveraient pas en même temps, etc. Donc le tempo, lui, je vais l'humaniser complètement à la main. Enfin, je vais introduire un léger rubato en fait pour permettre d'humaniser un petit peu ça, sachant que alors le tempo lui est conservé, par contre l'humanisateur lui va légèrement bouger un petit flou sur chacune des notes, ce qui fait qu'on aura quand même cette humanisation, hein, le doigt du pianiste il n'est pas parfait, même s'il y en a des très bons, on est bien d'accord. Mais voilà, l'idée c'est de rendre le jeu un petit peu plus humain de ce point de vue-là. Mais encore une fois, le tempo, lui, c'est moi qui le gère de A à Z. Bon, donc le tempo à l'origine, il est de 120. Je m'y suis habitué, je ne sais pas si c'est trop lent ou trop rapide. Je vais le conserver. On est à 120. Ah, tiens, tu vois, on voit plus la fin là. Paf! Voilà, on revoit tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai envie qu'on arrive à 120 là, mais qu'on ait un tout petit léger accélérando, histoire de donner un léger élan. Donc, va faire ça. Avec ici une légère retenue avant de revenir ici à tempo. Ici, au contraire, on va faire un tout petit léger accélérando histoire d'arriver sur la mélodie qui, elle, va être posée gentiment. Ici d'accélérer un tout petit peu ce temps-là. Je travaille à la noire, mais je peux aussi travailler à l'accroche, hein, c'est pas forcément utile. Ici, il y a une fin de mesure
Il y a une fin de phrase sur les deux voies de la main droite. Donc, qui dit fin de phrase, dit petit repos. Alors, le tempo, il faut savoir que d'une manière générale, ça devient audible. Au-delà de quelques 5-6%, ça commence à être légèrement audible pour quelqu'un de bien entraîné, et ça devient réellement audible, et peut-être parfois gênant, au-delà de 10%, on va dire. Hein, donc 120, donc si je descends en dessous de 108, ça va commencer à être vraiment audible, et peut-être parfois gênant. C'est pas ce que je veux. J'ai pas envie qu'on attrape la gerbe en écoutant la musique. voilà, donc... C'est un peu magique, hein, des fois, ce que je fais. J'ai l'impression de... jouer avec les chiffres d'une façon un petit peu... un peu folle. Je le reconnais. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un jeu que je vais pouvoir reproduire ici. Évidemment, étant donné qu'il s'agit d'humanisation, il n'y a pas deux fois la même chose. Et comme là, on est en plus en fin de phrase, là. On va faire une belle fin de phrase. Ce décrocher est terrible, il faut vraiment maintenant passer à autre chose. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, je sauvegarde la partition en MIDI. Ensuite, je prends une petite fenêtre. J'avais déjà préparé la chose. Pas bête, la belette. Donc ici, je lance mon humanisateur. Voilà. Pour ceux qui en veulent plus, n'hésitez pas à des détails sur cet humanisateur que j'écris aussi. N'hésite pas à me laisser des commentaires ou des questions, ou à aller voir sur mon site, parce que toutes les informations y sont. rex-potam.cadrian.net Donc on a fait l'humanisation, qui est l'étape cruciale, mais en même temps la plus rapide, t'as vu, de ça. Alors maintenant on va prendre ce qu'a produit l'humanisation, et le donner à un vrai piano. Et on écoute. Ah ! Voilà, ça c'est beau. On la rejoue juste pour le plaisir. Voilà l'idée. Ben, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce si ça t'a fait plaisir, à me laisser un commentaire, je serai très heureux. Et bonne soirée. Salut, salut.